Et bonjour à tous, on pour la suite des aventures de Persona 5 Royal. On est dans le palais de Kaneshiro et on avait trouvé notre premier abri. Je crois qu'on était en plus dans les sous-sols. Donc là on peut pas y aller. J'ai entendu des chiens. Il faut des chiens. Mais attends, c'est... Ah, des caméras. Une caméra, si... Ils vont probablement renforcer la sécurité s'ils nous voient à l'écran. Joker peut utiliser des capacités d'observation pour voir le champ de la caméra. On le voit un petit peu quand même au sol. Assure-toi qu'elle ne nous filme pas. Elle bouge ou pas? Non, ça bouge pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, Joker? Ce serait pas une sorte de dispositif? Allons voir ça. Les chiens en fait ils sont juste de ce côté. Ah, j'aurais trop aimé. Boîtier électrique. On dirait que ce boîtier d'alimentation est relié à quelque chose. Il est écrit caméra dessus. Voilà, c'est les caméras. Ça va être pour les caméras de surveillance. Détruisons le Joker. T'es sûr? Mais ils vont voir que les caméras sont désactivées du coup. Ils vont se dire qu'il y a un problème. Ou pas. Oh, j'ai compris, il faut casser ce machin pour désactiver les caméras. Je sais pas, moi, dans ce... ça me paraît un peu bizarre. Bon, au moins, je peux récupérer 2-3 trucs. Oh, il y a un ennemi. Ok. Oh, ça a été limite. Mais il faut qu'on passe par là. Allez, en avant. Vous le savez sûrement, mais c'est vraiment utile d'infliger des altérations d'état à nos ennemis. Pensez-y quand vous n'arrivez pas à tirer parti des points faibles d'un adversaire. Ok. On l'endort. Testons ça. Boum. Ça faisait mal. PV à tous les alliés. C'est que Makoto est un peu dans le mal. Grand amnésique. Il a combien? Il a moitié. En vrai, je devrais juste le taper. Méga physique moyen. Non. Oh. Je pense que c'est le moment. Allez. J'ai l'impression que ça va me sauver, ça. Nice. Bon, dommage pour Yoji, mais bon. Ah,
pas l'atteindre là-bas? Oh là. Hop, non, mais... Oh, c'est pas les mêmes ça? Je les connais pas ceux-là. Testons. Ah voilà. Du coup c'était la poudre qu'il fallait. Je crois que les autres slimes c'était de du feu. Alors parlez, donne-moi ta force. Il fait chaud, fais quelque chose, vite. Attends, je crois que je commence à m'y faire, c'est bon, on peut parler. Concentre-toi. En parlant, je ne vais pas donner ma force comme ça à un parfait inconnu. Pauvre petite chose, elle a l'air morte de peur. C'est pas un peu grand pour te déguiser comme ça? C'est quoi ce masque? Ça craint un peu, non? Il est timide. Bien sûr. Bon sang, tu manques pas de culot. Tu cherches à me provoquer, c'est ça? D'ailleurs, ça te dérangerait d'enlever ton masque quand on parle? C'est pas poli, mec. Toutes mes excuses. Chacun ses goûts après tout. T'inquiète pas. Je vais pas te l'arracher. Nice, je l'ai eu. Vase noir. Alors oui, on voit cette personne-là. Vase noir. Chance d'étourdir. Oh, c'est quoi ça? Meilleure chance d'infliger des altérations à un ennemi. J'ai jamais vu cette icône-là. Par contre, ouais, il a pas grand-chose. Après, il y aura point météo, meilleure chance d'infliger des altérations quand il pleut et il neige. Ouais. Et bim! Armure sale pour chat. Je crois que c'est la première fois qu'on en a de... une armure de ce genre. Il y a un ennemi derrière là. Hop là. Ah, cadence. Oh, les dégâts que ça fait. Alors avant d'aller là-bas, on va quand même regarder ici. Ok. Je sais pas encore où c'est. Ça a dû neutraliser quelques caméras. D'accord, donc il va falloir que je vérifie. La vache, mais il y avait des caméras ici. J'avais pas remarqué. Bah, faut que je fasse gaffe. Pierre noire. On peut pas monter là-haut? Oh, y'a rien. Ok.
crois que j'avais pas vu qu'il y avait une caméra ici. Bon, pas de caméra. Ok, c'est celle-là. Du coup, voilà. Oui, celle-là, c'est bon. C'est ok pour ça. Ok. Bizarre ça, c'est. C'est des trucs à électricité, mais je sais pas. C'est bizarre, c'est pas allumé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Cette pièce est excessivement grande. D'après la carte, on devrait pouvoir descendre par ici. Eh, tu as entendu? On dirait que ces intrus cassent tout là-dedans. Silence tout le monde, j'entends quelqu'un qui parle. Donc cet étage est... Et monsieur Kaneshiro nous a ordonné de... Ouais mais quand même, enfin, avec ces deux clés, ça pourrait arriver. Des clés? De quoi elle parle ces ombres? J'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait, si seulement on pouvait se rapprocher. Encore des caméras de surveillance. Il y a des ombres à l'intérieur. Ça pourrait être dangereux de s'approcher maintenant. Je m'interroge au sujet de leur conversation, mais j'imagine qu'on peut rien y faire. Pour le moment, on devrait se concentrer sur un moyen de descendre. Il y a un bouclier en face. Ok. On a détecté des caméras devant la salle des gardes, mais certaines fonctionnent encore apparemment. Les autres doivent dépendre d'une autre source d'alimentation. On va devoir inspecter un autre endroit. Un kit de crochetage. Est-ce que j'utilise ou pas? Allez. Ouvre le coffre. J'espère que ce soit un bon objet. Gangstar. Vachement mieux que la mienne, je peux l'utiliser, dis. Vas-y. On va regarder. Ryuji. 130-93. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Plus de dégâts. Portes. Il n'y a pas de terminal d'accès. Celle-là aussi elle est bloquée. Ah, faut descendre là. C'est une sorte de chambre forte. D'après la carte, il y a beaucoup d'autres pièces de l'autre côté. Ce n'est pas une chambre forte, mais une sorte de cloison, contrôlée par ces terminaux. Mais les deux ont des serrures. Ça veut dire qu'on a besoin de deux clés pour passer. Sérieux? Qu'est-ce que c'est pénible la sécurité ici? Ça doit être important. Ça semble correct. Il est possible que ça mène plus loin en effet. Et peut-être que la clé dont parlaient les ombres va ici? Non, sans aucun doute. J'ai bien l'impression. Ok, on retourne dans cette salle. Une seconde, n'oubliez pas qu'il y a des caméras de sécurité. C'est vrai, on n'a pas le choix. On va devoir désactiver les caméras. Il y avoir une salle à graines de convoitise dans le coin. Attends, il a dit ça quand je suis passé par là. J'ai pas compris. Oh, là-haut.
Instinct d'enquêteur. Quand l'instinct d'enquêteur est activé au début d'un combat, il vous permet de déduire les affinités de votre ennemi. Vous pouvez également voir ses points faibles. Pensez à consulter l'écran d'analyse pour obtenir plus de détails. Ah, du coup, il est faible au psy. Intéressant. Du coup, ça serait... Voilà, parfait. Du coup, je peux faire ça. Bim! Ouais, je peux pas l'avoir, lui. Autant faire un assaut général. Monter la défense de Joker. Si on le gardait en vie. Est-ce que je l'endors? C'est risqué mais on peut. Chance d'infliger brûlure. Il est brûlé. Est-ce que je peux lui infliger? Au pire j'augmente le moins de l'attaque. Quoique infliger hémorragie, enfin amnésie ce serait pas mal aussi. Si je peux avoir les deux en même temps. Ah non, ça marche pas. Non, pas de sœur. Vite, psy. Faut que je remette à terre. On est que trois là. C'est vrai que du coup il est plus faible à l'électricité avec Matador. C'est vrai. Et du coup il fait de l'électricité. Je pense qu'il lui reste pas beaucoup. Mais le truc c'est que j'aimerais bien il y a une petite réanimation. C'est mieux. Comme ça je fais ça. Attends, je peux la voir? Je peux lui parler? Donne-moi ta force. Oh! Il fait chaud, fais quelque chose vite. Oh non, je suis trop faible. Tu peux faire mieux que ça. Quoi, ça te va pas? Bizarre, c'est pas de m'arnaquer. Tu peux faire mieux que ça. Bon, je pense que c'est bon. Il y a un assaut général pour le tuer. Bim! Ah, niveau 23, 23, 22, 22 et Matador qui est passé niveau 20. Tire double. Nice. Oh, Bayon qui a fait bien bien mal. Ok. Hop.
qu'il va falloir lui expliquer aussi à Makoto les graines. Graines rouges. J'ai l'impression qu'on commence toujours par la graine rouge. Ah oui, c'est vrai que ça, je crois que ça se soigne en plus, donc j'aurais peut-être pas dû me soigner, c'est pas grave. Allez, on ouvre. Ah, et on revient ici du coup. J'ai pas fait un endroit en bas. Il y a un truc là-haut. Magatamapsi. Il était bien planqué ce coffre-là. Hop, une aigle marine. Caméra par contre. Par contre, il y a des petits chiens. Oh, c'est tout, il y en a deux. Par contre, cette fois. Elle est faible à ça. Allez, go. Ensuite, on revient ici. Mabufu. Cette fois, tu me donnes ton truc. Tu me donnes ta force. Il a l'air déprimé. Ne fais pas attention, dis juste bonjour. Il est morose. Mince, j'ai mis quoi? Je sais que j'avais presque réussi à faire ça. Je me souviens jamais. Il faut juste dire bonjour. Je vais te hacher menu, je crois. Il est morose. Doit avoir quelque chose à me dire, oui. Pas vraiment. Ah, toi, elle est droit au but. Orthros. Il faut que j'enlève l'archange. Il est au 21. Orthros. Nice. Je crois qu'on les a toutes. Carte vierge. Nice. Alors, regardons un peu cette personne. Il est où? Il est là. Ah, d'accord, c'est un type feu. Ok. Il a le maringui. Il a double croc, ouais, bof. Steam brûleur, meilleure chance d'infliger brûleur. Ah, ça peut être sympa. En gros, si tu veux brûler, bah, c'est avec lui. Et il absorbe le feu. Mouais. Et lui, il résiste quand même à beaucoup de trucs, mais il est faible à quand même pas mal de trucs. Okay.
j'entends. C'est un coffre, ça. Ah, mais ça ramène... Ah oui, on a fait tour, du coup, j'ai débloqué cet endroit. Oh, ah ouais, d'accord. D'accord. D'accord, je comprends mieux. Attends, du coup, la carte. Ouais, d'accord, j'ai fait tout le tour pour venir ici. D'accord. Du coup, maintenant, je peux aller plus facilement vers la porte qui est en haut. En haut, là, ici. Mais par contre, il manque encore des clés. J'ai toujours pas de clés, donc je sais pas où c'est qu'on les chope. On va aller se reposer. Ouh, bah New York, ça nous en fait quand même pas mal des nouvelles personnes. Entre Matador que j'ai créé, je crois. Il y a qui d'autre que j'ai créé, j'ai trouvé Orthros, je l'ai gagné. Vase Noir, je l'ai gagné. Colis de la Reine, je l'ai gagné. C'est pas mal. Par contre, je pense qu'il va peut-être falloir que je retourne... Comment? Est-ce que je retournerai pas à l'entrée de la banque? Allez, on va retourner à l'entrée de la banque très vite fait. On va voir ce qu'on peut en faire. Parce que la vase noire, je vois pas trop d'intérêt actuellement. La vase noire. Kakuya Picaro. Oh, flèche brillante, Mediarama Boomerang, grâce divine. Niveau 25 par contre. Et c'est quoi? C'est la lune configurée dans niveau 4. Ça serait un Miki Mitama. Ah! Ça me fait penser à l'autre, ouais. Kinki. Et niveau 25, je peux pas l'avoir. Je peux créer un niveau 34? Et un niveau 37? Oh, ils ont l'air... Deux. Ils ont l'air tellement ouf, niveau 26. Mais je peux pas utiliser non plus. Eh, je l'avais vu passer, mais... Chance élevée de lobotomiser un ennemi. Ouais. Moi, je peux pas faire grand chose avec la vase noire. Je peux créer un Nekomata, mais ça vaut tellement pas le coup de perdre ma Amenozume. Genre vraiment pas. On va déjà enregistrer. Le Matador, sous le coup, il est augmenté. Le Illigor, je l'ai utilisé. Je crois que j'avais testé, ouais. Ok, du coup je pourrais toutes les enlever, y'a pas de problème. En fusion avancée, c'est niveau 27. Fusion par résultat, ça sera plus simple comme ça. Niveau 23, donc je peux créer ça. Garula. Vent moyen sur un seul ennemi. Il y a un stop tétra. Tétra canne sur tous les ennemis. Je sais pas ce que c'est. Je suis que niveau 23. Je peux créer lui. Attaque plongeon. C'est vrai qu'il l'avait fait ça. Maître de la défense. Ah! Ça, c'est de la défense. Augmente la défense d'un. Sur soi. Au début de combat. Ça, c'est cool. Et ça me coûte quoi? Ah, mais nous zoomer. Oh, aïe aïe aïe. Matador. Le Shiki Fluoros au pire. Ça devrait marcher. Alors, il y a le Ini.
Il y a Izanagi. Ah, il est quand même classe, lui. Je pensais que c'était moyen sur un ennemi, chance d'infliger l'électrocution. Yaxini, oui, je l'avais déjà vu. Oni. Ouais, c'est toi, hein. Avec son saccage qui fait vraiment bien mal. Sudama. C'est quoi ce machin? Je suis pas trop convaincu, à part Ikkyokuten, là, dans son truc de défense. Mais je vais pas commencer avec lui, je pense. Ah, quoique, attends. En début de combat. C'est-à-dire qu'il faut que je commence avec lui. Donc ça lance le Rakukaja. Ensuite, je change sur Amenuzume, ou n'importe quel autre qui fera l'affaire. Et je lance mon truc. Ça pourrait se faire. Tempérance. Je veux pas combien partir tout de suite, je veux juste regarder mon persona. En truc de tempérance, c'est que je n'ai plus tempérance. Enfin, je le crée. Et tempérance, c'était qui? C'était Kawakami. Après, Kawakami, est-ce que j'ai vraiment envie de l'augmenter encore plus? Parce que du coup, son prochain truc, c'est à 10. Pour un massage. C'est quand même beaucoup de temps, donc... faut voir. Et elle voulait quoi déjà? Sadanda avec Rakukaja. Je le vois pas là-dedans. Je le vois pas dans ce que je peux créer en tout cas. À combien je suis de level up? 359 d'XP et je passe niveau 24. Ce serait peut-être le. Ça serait peut-être pas mal d'attendre de passer niveau 24 avant de créer une nouvelle persona. Comme ça, je pourrais créer des personnes à niveau 24. Parce que dans les créations, il y en a une qui est niveau 24. Annule les attaques de glace. Mais à quoi ça sert? Parce que j'absorbe déjà les attaques de glace. Je sais pas. Et ça sera niveau 27. Il faudra Lenenshine. Je pourrais le créer en vrai. Attaque plongeon, élève brillant, c'était quoi? Réduit chance de subir un critique. Ah ouais! J'annule les dégâts de feu et j'absorbe les dégâts de lumière. Bon, les dégâts de lumière, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en reçois pas beaucoup, je trouve. Donc, faut voir. Peut-être que ça sera utile plus tard. Bon, on va s'arrêter là, voilà. On va attendre de passer niveau 24. Peut-être que je trouverai d'autres personnages encore. Au pire. Alors, ce que je vais faire, je vais voir si je peux pas modifier mes personnages. Parce que là, j'ai vu que j'en ai récupéré un bon paquet, genre l'impératrice, je vais pas l'utiliser, donc faut que je voie si je peux pas la combiner avec une autre. Je vais voir si je peux pas faire des combinaisons. Et je les ferai, je pense, hors caméra, et on se retrouvera, on fera un point sur ce que j'ai créé. Je pense, hein. Peut-être que je vais pas le faire. On verra. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, tchuss.